Je vais aujourd'hui modifier les mobs de Minecraft, comme si on était à la préhistoire, donc il y a environ 4 millions d'années. Shawen et moi, on va devoir modifier 3 mobs chacun et leur construire un habitat en y cachant des énigmes. Qui fera les meilleurs mobs? Et bah ça, il faut regarder la vidéo pour le savoir. Et attends, si toi qui regardes cette vidéo, tu ne veux pas te retrouver 4 millions d'années en arrière, t'abonnes à cette chaîne tout de suite. C'est y part. Ok les mecs, du coup c'est parti. On va transformer les mobs en mobs préhistoriques. Bon, déjà attendez, on va pouvoir modifier quel mob en premier. Parce qu'aujourd'hui les mecs, je dois être meilleur que Shawen. Et en vrai de vrai, est-ce qu'on commencerait pas super fort? En prenant par exemple cette vache là et en la transformant en T-Rex. Et oui les mecs, dès le début on va tenter de faire à peu près ce genre de petit bail. Du coup aujourd'hui une vidéo qui va être quand même assez spéciale, puisque notre objectif va être de modéliser des mobs plutôt what the fuck. Et les gars, quand je vous dis que je vous ai réservé des trucs de fou, c'est que ça va être incroyable. Bon les gars, du coup notre premier mob qu'on va devoir modéliser, ça va être le villageois. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le villager. Bon du coup voilà, là on a le villager qu'on pourrait modéliser à peu près. Je pense que vous avez capté. Du coup là les gars, on a plein de trucs qu'on peut modifier. Et l'idée de fou les gars que j'ai, c'est qu'on va retirer son chapeau pour en faire un cro-magnon les gars. On va faire un villageois cro-magnon. Alors me demandez pas comment j'ai eu cette idée les gars, je sais pas pourquoi chaque fois que je vois des villageois, je les vois comme des indigènes, comme des êtres inférieurs. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le corps du cro-magnon. Donc on va élargir un peu tout ça, voilà. Alors là les gars, on va pencher un petit peu son dos parce que l'objectif c'est de le faire un petit peu bossu. Bon, je sais pas si vous voyez c'est qui le bossu de Notre-Dame, mais en gros je me suis inspiré de ce personnage pour faire notre villageois. Et en vrai des vrais les gars, je me dis pourquoi pas lui faire des grosses godasses. Genre là on va descendre en bas, voilà, on va copier-coller. Et voilà les gars, on va lui faire un pâté de maison les gars. Il fait froid, c'est l'hiver, on lui met des grosses bottes. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le faire en train de faire la manche. Parce que voilà, c'est un mendiant les gars, hein. Les villageois c'est un peu des mendiants. C'est des hommes de Cro-Magnon. Donc voilà, on va le mettre un peu comme ça. Donc là maintenant les gars, on va s'occuper de sa tête. Et là les gars, on va lui faire un couvre-chef dite d'une chapka de la Russie. Alors par contre les gars, on rigole. Mais la texture du Cro-Magnon les gars, on va faire comment? Et en vrai de vrai les gars, pour moi un Cro-Magnon c'est un peu marron, c'est un peu orange, c'est un peu voilà quoi. Donc on va essayer de lui faire des vêtements de pauvre. Même si évidemment les gars, le marron ça peut être très très classe. Donc là les gars, tout va se jouer dans notre talent de texture là, qui est d'approximativement 0 pour moi en tout cas. Du coup les mecs, on est sur Blockbench et attendez, non, je vais prendre un loup plutôt. Un loup ça correspond un peu mieux. Bon en vrai de vrai, on dirait pas un T-Rex certes, mais je pense que c'est plus ressemblant à un T-Rex qu'une vache. Bon déjà vous savez quoi les mecs, on va simplement dégager tout le corps sur la gauche. Et là les mecs, on va directement tenter de lui faire ces genres de petites papates. On n'oublie pas de lui mettre des griffes parce que c'est quand même un T-Rex. Parce que oui, un T-Rex a forcément des griffes, il est forcément effrayant. Non mais attendez les mecs. Bon là on dirait une genre de fourchette, mais vous inquiétez pas, on va un petit peu le pencher. Non mais est-ce que je suis pas à mon prime en vrai de vrai là les mecs? Parce que si je duplique ça x2 et que j'arrive à mettre un gigacorps, donc le corps ça va être à peu près ce genre de petit bail là, ça peut être vraiment grotesque. Regardez-moi la petite patoune les mecs. Bon maintenant on va simplement tenter de la dupliquer sur la gauche pour avoir deux pattes. Et là maintenant on va limite reprendre l'espèce de corps du loup et on va tenter de faire l'espèce de corps du T-Rex. Oh là là, oh là là. On dirait un peu une autruche pour le moment, mais en vrai de vrai, je sais exactement quoi faire. Attendez. Oh là là les mecs, non mais je suis à mon prime. La vie d'ailleurs, je suis à mon prime. Bon vers le devant les mecs, ça va être son giga crâne. Son gros cochi. On va tenter de lui faire une genre de queue parce qu'une T-Rex a quand même une sacrée grosse queue. Et bah moi ça, on dirait que ça capte la 4G mon frère. Bon le problème c'est que la petite tête du loup sur le T-Rex, c'est pas très ressemblant là. Hein. Bon c'est pour ça les mecs, attendez, on va tenter de lui faire un giga museau. Bon oui, ça ressemble pas forcément encore à un T-Rex. Mais vous inquiétez pas, mollo. On va y faire la texturisation après. On n'oublie pas de mettre les genres de petites papates à l'avant. Logiquement, les petites papates à l'avant sont beaucoup plus petites. Et regardez-moi, il a des grosses jambes musclées et je sais pas pourquoi il a des petites mains. C'est Jamel Debbouze. Oh là là. Bon, les mains, je suis peut-être pas trop convaincu, mais au calme. Et là, regardez-moi ça. On va faire l'espèce de détail qui va tout faire changer. La colorisation, les mecs. Bon, évidemment, c'est un T-Rex, donc on va le mettre un petit peu kaki. On n'oublie pas de rendre le bail un peu plus stylé en y rajoutant des petits détails de reshade. Bon, voilà, on en met un peu partout, hein. Bon, je sais pas vraiment où je les place, mais ça fera toujours plus stylé qu'une couleur unie. Non, mais là, les mecs, en vrai de vrai, mon modèle 3D est incroyable. Bon, évidemment, il lui faut ses petits non-œils et on va le rendre quand même un petit peu méchant avec des giganarines. On va tenter de lui faire une petite boubouche. Bon, je suis pas trop convaincu, mais au calme. Bon, évidemment, petite manucure, les mecs. Ça fait plaisir, ça fait toujours le taf. Et là, attendez, les mecs, j'aimerais bien lui faire un genre de détail en mode des genres de petites gris-griffes. En mode sur le côté vers ici, là. Bon, là, j'y vais en mode YOLO, hein. Bon, là, attendez. Bon, je sais... Oh, mais en vrai, non, mais ça va le faire, en mode c'est facile. On en fait simplement 3 et au calme, hein. Non, mais les mecs, la tête de ma mère, si Shawen il a fait mieux, je me coupe, hein. Je me coupe jusqu'où vous voulez, hein. Non, mais les mecs, on est corda. Shawen passe à la trappe, là. Je l'ai détruit de A à Z. Téma-moi cette beauté sans pareil. On va le mettre un peu bronzé parce que bon, au soleil, la ferme, c'est compliqué. Et donc là, les gars, on commence déjà à avoir un truc un peu stylé, hein, franchement. Bon, il manque pas mal de texture, mais je pense qu'on est sur un bon début quand même. Bon, les gars, j'ai mis des petits dégradés de couleurs pour le Cro-Magnon. On va quand même mieux le texturiser parce que sinon, ça va faire fade et ça va faire un peu dégueulasse. Donc, on rajoute des petites taches un peu partout. Faut pas oublier que le poteau, il se roule dans la boue. Et les gars, quand je vous dis que moi, je pense à tout, on va carrément lui faire un mono-sourcil parce que les rasoirs, c'est compliqué. Et il y en avait pas à cette époque-là, il y avait que des épées ou des couteaux. Donc là, les gars, on va lui foutre un mono-sourcil bien balèze. Voilà, les gars. Est-ce qu'il est pas beau, mono-sourcil? Donc là, les gars, on va peaufiner quelques détails. Mais franchement, déjà, notre villageois, il est pas mal, hein. L'objectif, c'est quand même qu'on va le perfectionner un peu. Donc voilà, on va cliquer un peu par là. Et là, les gars, il manque juste au final la barbichette. Ouais, parce que là, les gars, il est beau gosse, notre villageois. Sauf qu'il faut pas oublier qu'il s'est pas rasé. Donc là, les gars, on va lui faire sa petite barbe bien comme il faut. Une barbe de gigachad. Et voilà, les gars, regardez-moi cette masterclass. Est-ce que c'est pas trop stylé? Bon, maintenant, les gars, il faut que je pense à un build et à une épreuve en rapport avec ce villageois. Et
là les gars, je vous mens pas, ça va être plus compliqué. Ok les mecs, on aura l'heure de vérité dans quelques secondes. Vous êtes prêts les mecs? Regardez-moi ça dans ma main. Il y a un petit chien. Parce que oui les mecs, c'est censé être un chien. Donc vous savez quoi, 3, 2, 1 et logiquement, boum. Oh là 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 là. Oh là là. Non mais attendez. Non mais les mecs. Bon, vous qui voyez actuellement les deux mobs, on est d'accord que je l'ai battu, je pense. Bon, après je dis ça sans savoir il a fait forcément quoi comme mob. Mais regardez-moi cette masterclass les mecs. Non mais en vrai de vrai. Les petits détails, il se déplace en mode cocooning, il est trop stylé. Bon, par contre, c'est bien cool. Mais voilà. Parce que maintenant les mecs, on va devoir lui faire son enclos. Et bien évidemment, y cacher un totem à l'intérieur. Donc vous savez quoi, je vais déjà commencer par faire une genre de petite plateforme. Et je pense que la superficie sera exactement celle-ci les mecs. Bon évidemment les mecs, vu que c'est un genre de T-Rex, il va falloir qu'on fasse un petit côté Jurassic Park. Et ce qui est bien, c'est que regardez-moi ça, on a énormément de blocs pour pouvoir tout faire. C'est pour ça que j'ai pris des pousses de pin et regardez-moi ça. Logiquement, oh là là, la couleur de l'arbre, elle est incroyable. Donc là, on va simplement planter des pins un peu partout. Bon, je trouve ça très bizarre de dire que je veux planter des pins, mais ouais, c'est des arbres. Voilà, on en a planté suffisamment, je pense. Et maintenant, on met la random tick speed à 1000 et on va voir ces chefs-d'œuvre en train de pousser, magnifique. Oula, il a un problème de croissance lui. Bon, là c'est bien cool, mais oubliez pas les mecs, il va falloir que je fasse une genre de clôture. Bon oui, quand on enlève les chunks, on voit la supercherie. Première étape, trouver un terrain intéressant. Et pour un Cro-Magnon, les gars, quoi de mieux qu'une vraie grotte? La grotte de Lascaux, les gars. On va remplir d'ici à ici des planches en bois. On va y foutre ici, les gars, de la cobblestone. Parce qu'on parle quand même d'un Cro-Magnon, quoi. On va y foutre des petites barrières, voilà, comme ça au moins il va pas s'enfuir. On va y foutre, bien évidemment, les gars, un petit feu de camp. Enfin, un petit, un minimum gros quand même. Et les gars, on va essayer de faire une espèce de petite antre. Parce que oui, les gars, ça reste quand même un homme de Cro-Magnon. Et donc là, les gars, juste ici, on va y foutre le villageois. Non, mais attends, il s'est enfui en 2 secondes, lui. Mais il est malade. Bon, c'est pas grave. On va y foutre de la laine, mais bien évidemment, on va pas y mettre un lit, hein. C'est pas le grand luxe, on n'est pas à Ikea. Et donc là, les gars, l'objectif de Lined va être de communiquer avec cet individu qui est plutôt spécial. Donc dans sa grotte, les gars, on va y mettre un petit panneau où ce sera écrit en bas. Pourquoi en bas? Parce que tout simplement, les gars, ici, on va y mettre un autre panneau. Et donc là, les gars, dans ce panneau-là, on voit le chiffre 1, 3 et 4. Et donc, bien naturellement, les gars, le code ici, ça va être 1, 3 et 4. Dans lequel, les gars, on va offrir un petit cadeau qui sera du fer, les gars, parce qu'on part quand même d'un Cro-Magnon. Donc le cadeau du Cro-Magnon, les gars, ça sera du fer. Et donc la mission de Lined, c'est d'aider le Cro-Magnon à accéder au fer. Parce que oui, bah actuellement, là, il a accès à rien du tout, là. Il a accès qu'à la cobble. Donc si Lined fait ça, normalement, il est censé voir quelque chose d'intéressant. Après, pour ça, faut qu'il ait Optifine et pouvoir zoomer, quoi. Donc là, attendez, les mecs, on va tenter de faire une petite magouille avec Wargdit. Parce que regardez-moi ça, j'ai trouvé des genres de barreaux de fer renforcés. Et là, boum, ok. Bon, maintenant, on va évidemment devoir les rendre un petit peu plus jolis. Parce que là, bah, c'est pas forcément fameux, hein. Et regardez-moi ça, on a trouvé des blocs plutôt pas mal. Boum. Rien que faire ça sur les extrémités, ça rajoute quelque chose de plutôt joli. Ah, mais là, les mecs, je suis clairement à mon prime, hein. Parce que maintenant, on va juste faire ça pour, entre guillemets, tout mettre ensemble. Oh, et regardez-moi ça, les mecs, on dirait des genres de pièges. Des genres de pièges de braconniers. Oh là, mais il y a tellement de blocs incroyables. Des pousses de palmiers. Enfin, je peux les faire pousser ou pas? Oh, en vrai, pourquoi pas, hein. En vrai, moi, ça me fait un peu penser aux dinosaures. Bon, maintenant, on va évidemment y mettre un petit peu de verdure. Et là, moi, j'aimerais bien y faire une genre d'arche. Un peu, les mecs, comme cette image-là. Bon, après, le problème, c'est que, bon, j'ai pas forcément beaucoup, beaucoup de place, hein. C'est pour ça qu'on va le faire, je pense, un petit peu au milieu comme ça. Bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu bancal, hein. Ouais, même c'est plutôt très très bancal. Bon, après, heureusement que nous on a l'art du détail. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal quand même. Et en plus, regardez-moi ça. On va transformer le bail qu'on voulait faire de base en genre de petite tanière pour hiberner. Bon, je sais pas si les T-Rex ils ont déjà hiberné ou pas. Je suis pas l'expert dans ce genre de bail, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais bon, on va partir du principe que c'est comme les ours. Il y a toujours une période pour hiberner. Sans celui qui est pas content, il y aura mon mail dans la bio, il y aura mon Instagram, il a intérêt de venir. J'en toucherai deux mots. Bon, après, le problème c'est que pour hiberner, il y a pas non plus beaucoup beaucoup de place, hein. Oh, attendez, c'est quoi ces blocs? Oh, trop stylé, wesh. C'est incroyable, ces blocs. Oh là là, attends, mais attendez, je vais en mettre un petit peu partout, moi. C'est trop stylé. Ça rajoute des petits détails. Après, les mecs, il faut pas que j'oublie quand même que je dois y cacher un totem. Et là, j'ai l'air de quand même sacrément l'oublier. Donc, moi, les mecs, je vais aller prendre mon petit chien. Ah, parce que oui, il s'appelle encore chien. Et on va en poser à peu près, je pense, à peu près 4. Non, vous savez quoi, 5, voilà. Comme ça, il y en aura un qui sera seul, c'est pas grave. On n'oublie pas les petits détails. Voilà, magnifique. Et vous savez quoi, les mecs? Je sais exactement quoi faire pour cacher mon totem. Et pour ça, ça va être ça. Oh, mais en plus, vous le voyez, ils veulent tous hiberner. Regardez, pour le faire, ça va être ça. Je vais faire ça comme ça. Hop là, hop là, hop là, hop là. On va prendre des bails de tortue et on va simplement les poser comme ça, les mecs. Bon, par contre, ne tombe pas, hein. Ce sera un peu bête de ta part, hein. Voilà, comme ça. Là, maintenant, on va s'équiper de petits tapis. Et voilà, boum. Comme ça, il suffira de sauter, sauter, sauter. Logiquement, voilà, vous entendez, vous entendez, vous entendez. Ça va exploser le bail. Bon, j'espère que ça fonctionne, hein. Oh, bon, ça veut pas fonctionner, mais c'est pas grave. Parce qu'en gros, il faut tout péter pour que ça marche. Et maintenant, en dessous, donc exactement ici, petit coffre de Noël, parce que les mecs, c'est Noël. Noyeux Joël à tous. C'est toujours important de vous le dire. Et là, on
peut y cacher le totem. Bon, en vrai de vrai, si Shaowen n'est pas bête, il va voir qu'il y a une supercherie qui s'y cache quand même. Je veux bien que Shaowen il ait des petits problèmes de temps à autre, mais là je pense que ça va être problématique. Oh attendez, on va prendre des échelles et on va faire croire qu'il faut monter. Parce qu'en plus, regardez-moi ça, ça peut ne pas se voir. On va lui faire croire qu'il y a un genre de jump. Et pour lui faire croire, regardez-moi ça, on va juste mettre des blocs bizarres par-ci par-là. Et pour bien lui faire perdre du temps, un under chest. Mais vous allez me dire, mais là, t'as pété un plomb, ça sert à quoi? Et bah rien du tout, ça qui est magnifique. Parce que vous connaissez les under chest. Ça sert à rien si c'est pas le vôtre. Donc là, c'est exactement ce qui va se passer, les mecs. Ok, donc là maintenant les gars, le prochain mob, ça va être le poulet. Donc là les gars, on va sélectionner le poulet juste ici. Donc là maintenant il est chargé. Et les gars, en vrai de vrai, eh ben j'ai pas d'idée. Genre je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir modifier mon poulet. Mais comme j'ai fait un espèce d'homme de Cro-Magnon pour le villageois, je me dis, est-ce qu'on ferait pas un thème préhistorique? Genre un poulet préhistorique, même si je sais pas à quoi ressemblaient les poulets à l'ancienne. Bon, du coup les gars, le chicken, on va lui faire des longues pattes, parce que pour moi les poulets à l'ancienne, ils avaient des longues pattes et ils étaient gigantesques. Comme le villageois les gars, on va légèrement pencher sa patte. Donc voilà les gars, comme ceci. Bien sûr les gars, le poulet, on va le rendre bien plus big, hein. Ça va pas être des petites pattes qu'il va avoir. Voilà les gars à quoi ressemblaient les poulets à l'ancienne. Mais regardez-moi ça. Donc là les gars, j'ai juste à dupliquer sa patte de l'autre côté. Donc là les gars, on va faire son corps avec sa longue queue. Voilà, bien, enfin bon, un peu bizarre mais vous avez compris. Maintenant les gars, on va s'attaquer au haut. Mais franchement, non mais les gars, est-ce que c'est pas déjà une masterclass? Ah non mais les gars, moi je pense vraiment que Lineage, je vais le pulvériser là. Je suis un modeleur mais incroyable. En vrai de vrai, je devrais créer des modes. Je m'emballe peut-être un petit peu. Bon maintenant les mecs, est-ce que vous voyez ce petit village? Bon déjà, j'ai eu sacrément de la chance de trouver un genre de village abandonné. Mais bon, les mecs qui disent préhistorique, dit qu'évidemment lui ne serait pas là, même s'il a clairement le monosourcil pour la préhistoire. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Imaginons cet homme-là, je le transforme en Cro-Magnon. Je vais lui demander ce qu'il en pense. T'en penses quoi? Non! Donc c'est quoi les mecs, on va sélectionner l'Iron Golem Instant Boom. Et cet homme-là, on va tenter de le modifier, on va lui mettre des gros pecs, on va tout lui mettre. Bon, je vais quand même essayer de lui garder, on va dire, la forme de l'Iron Golem. En gros, il aura toujours un peu cette forme-là. Donc regardez-moi ça, j'ai repris un peu son corps et on va lui mettre un peu des muscles. Parce que quand même à l'époque, il faisait beaucoup de travail manuel et ils avaient quand même sacrément de la force. Donc on va tenter de lui designer un petit peu des abdos, des pecs, tout ça. Téma-moi le corps d'Apollon, téma-moi ce corps. Évidemment, on va lui mettre des bras beaucoup plus big qu'il en a de base. On va lui coller sur son corps, voilà. On va vraiment lui dessiner tous ses muscles. Oh là là, téma les avant-bras, téma les biceps, téma absolument tout ce que je lui ai fait là. Bon, là je suis un peu paumé là, j'ai l'impression que j'ai mis 46 éléments partout. Mais au moins, regardez-moi ça, j'ai réussi à lui faire des giga panards. Hein. Et voilà, il a un peu space, les abdos sont très très ressortis, mais bon. En fait, on dirait qu'il a pas de pec, il a juste des abdos. Voilà les gars, on va lui faire une petite crête un peu comme Matuidi Charo à la Tanguy David, bien comme il faut. Voilà, là les gars, c'est magnifique, c'est incroyable. Une crête à la Neymar, les gars, c'est légendaire. Bon, par contre, les gars, maintenant il faut que je donne vie à mon banger. Parce que là, autant la modélisation elle est plutôt stylée, mais si mon coloriage est nul à chier, mon mob va être totalement catastrophique. Donc là, les gars, on va donner vie à notre mob, à notre poulet préhistorique de l'histoire. C'est le mec qui a rien compris. Attendez, parce que là je suis en train de m'en rendre compte, les gars. non, mais là, c'est incroyable. Vous allez pas me dire que je vais pas pulvériser Lineage là. Donc, comme d'habitude, les gars, on rajoute des petits détails pour être sûr de pulvériser Lineage, les gars. Je pense clairement que l'objectif va totalement être atteint parce que. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, mais les gars, c'est incroyable. La tête d'homme chamon prime. La tête d'homme chamon prime. On rajoute évidemment des ombres, etc. un peu partout. Comme s'il avait un espèce de feuillage chelou là. Ah, non, mais là, les gars, franchement, j'ai hâte de voir une game. Hein. Là, les gars, je vais upload le mode tout de suite. Hein. Je veux voir ce banger. Oh, alors, regardez-moi ça, les mecs. On va lui faire une jawline. On va lui faire une mâchoire. Une mâchoire des plus carrés. Bon, là, après, ce qui me fait peur, c'est qu'il ressemble un petit peu à Carlos dans Bob l'éponge. Non, mais les mecs, est-ce que c'est pas Carlos en vrai de vrai en simplement plus musclé? Pour qu'il ressemble un peu plus à un Cro-Magnon, on va commencer à le mettre un petit peu de la couleur beige. On va lui mettre un giga futal comme as. Et on va un petit peu tenter de designer son short en lui faisant des genres de petites craquelures. Bon, évidemment, on va tenter de lui mettre des petits détails. Bon, jusque là, je suis un petit peu déçu de ce que j'ai fait pour le moment. Hein. J'ai pas envie que Shaowen fasse mieux. Hein. Donc, c'est pour ça, on va tenter de lui mettre des petits détails. Téma-moi ça, on lui dessine ses muscles. Oh là là, non, mais là, en vrai de vrai, je suis plutôt fier. Hein. Le reshade, les mecs, ça fait absolument tout. Bon, malheureusement, il ressemble encore plus à Carlos qu'avant, mais bon. Voilà, on lui a fait deux petits tétons là. Et là, maintenant, attendez, on va tenter de lui mettre le petit détail un petit peu comme les golems. En mode comme s'il avait du genre un peu de lierre. Voilà, comme ça là. Comme si, bah, il sortait un petit peu des cavernes. On va vraiment garder la base du golem. Mais là, mais il est incroyable, wesh. Non, il est trop stylé. Non, mais en vrai de vrai, les mecs, il est peut-être pas forcément meilleur que le T-Rex. Mais je suis désolé, c'est une réussite. Donc là, les gars, l'objectif pour ce prochain mob, qui est tout simplement le poulet, ça va être qu'on va devoir faire une petite zone, un peu de campagne. Donc on va y foutre évidemment de la terre. Et on va y mettre des mauvaises herbes un peu partout. Et donc là les gars, on va pouvoir y mettre le poulet. Voilà, juste ici, on va foutre plein de poulets partout. Et donc là les gars, on va mettre un coffre protégé par un code juste ici. Le code les gars, ça va être je sais pas 9876543210. Et là les gars, c'est simple, on va prendre une enclume, on va prendre une étiquette qu'on va renommer exactement ce code là et on va appeler ce poulet par ce code là et donc Lineage va devoir trouver tout simplement le code via ça. Bien évidemment les gars, on va y mettre un petit totem et en vrai de vrai, ça devrait pas lui prendre trop de temps non plus quoi. Bon les mecs, l'heure de vérité, est-ce que mon Cro-Magnon sera un Cro-Magnon d'élite? On va voir ça maintenant. Bon, je le possède dans ma main. Il y a marqué golem de fer.
3, 2, 1, boum. Oh là 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 là. Bon, le problème, comme je vous l'ai dit, on dirait un petit peu Carlos dans Bob l'éponge. C'est... En vrai, il est pas mal. J'aurais peut-être dû lui faire une petite beubare. Mais en vrai, on dirait pas Giga Chad. Petite mâchoire carrée, petit pif pas mal. Ah là, et quand même, il a des beaux pecs, hein. No homo, les gars. No homo, mais il a des très beaux pecs, hein. Bon, par contre, mon gars, malheureusement, ici, tu meurs. Parce que moi, je dois faire ton petit endroit. Et vu que c'est un Cro-Magnon, les mecs, je sais quoi faire. Petite grotte, petit moment dans la prairie. Et c'est bon. Et en plus, regardez-moi ça. Est-ce que ça serait pas ce genre de sable avec des genres d'avoine de mer? Bon, je savais pas c'était quoi avant de le découvrir. Hein. Pour moi, l'avoine, c'est en musculation quand tu dois prendre du poids. Je savais pas qu'il y avait de l'avoine sur du sable, bordel. Et vous savez quoi, pour le but, je vais faire un petit peu différemment, les mecs. Je vais prendre une petite zone comme ça. Et on va faire mon endroit vers le sol. En simplement slashage que tantôt. Donc en gros, ici sera mon périmètre pour y construire, entre guillemets, mon petit endroit de grotte. Oh, je suis très ingénieux. Hein. Donc là, on va y mettre simplement de la terre. On va refermer les genres de grotte. Comme ça, au lieu de faire une délimitation, on pourra observer les villageois. Bon, c'est un peu de l'esclavagisme, c'est vrai. Et malheureusement, on doit le faire aujourd'hui. Et oubliez pas, moi, j'ai envie d'y faire mon petit côté avec de la sand. Parce que j'ai vraiment. J'ai kiffé l'avoine. Je vais mettre de l'avoine. Bon, et là, c'est un peu dégueulasse. Donc c'est pour ça, les mecs, qu'on va un petit peu réadapter le tout. Voilà, on va faire comme si c'était un truc plutôt naturel. Bah voilà, c'est déjà pas mal. Et on va y faire une petite grotte des sables vers ici. Oh là là, mais regardez-moi ces blocs tout blancs magnifiques. Non, mais regardez-moi cette beauté. Non, mais là, j'ai installé un mode, il est incroyable. Bon, le problème, c'est qu'avec mes talents, voilà quoi. Et là, on va y mettre des murets pour le côté stylé. De toute façon, les mecs, quand vous faites quelque chose de pas très joli, vous avez simplement à mettre des détails un peu inutiles, mais et les gens ils feront waouh. Bon, Shawen fera waouh parce qu'il sait pas build. Mais après, bon, voilà, moi j'affronte Shawen, j'affronte pas non plus Roi Louis quoi. Bon, par contre, faut que je fasse attention qu'ils se barrent pas. On est là quand même pour les exploiter quand même. Et oublions pas les mecs, c'est quand même des Cro-Magnons. Donc eux, ils s'illuminent à la torche. Les Cro-Magnons, ils ont des tables plutôt basiques. Ils ont même des genres d'escaliers un peu de couleurs bizarres parce que vous inquiétez pas, ils vont chasser, ils ont toujours des trucs un peu bizarres. Les Cro-Magnons, ils ont forcément du cuir. Et vraiment, ils ont une ribambelle. Ah, mais quand j'ai une ribambelle, c'est une ribambelle. Ils en ont beaucoup, hein. En vrai, c'est stylé ce que je viens de faire pour le début. Et je vais mettre des pousses de saule. C'est quoi ça? Attendez, on va voir quand ça va pousser. Oh, stylé! Un arbre digne de ce nom, quand même, les mecs, hein. Mais pourquoi c'est pas sur le même? Attendez, c'est quoi ça? De la mousse espagnole! Depuis quand la mousse est espagnole, nigériane, française? C'est quoi ce truc de fou, là? Bon, bref, c'est pas grave. Oh, et attendez, les mecs! Vu que c'est des Cro-Magnons, ils sont là depuis l'époque! Donc, est-ce qu'on leur mettrait pas un genre de bloc de la version alpha de Minecraft? Bah oui! Et bah voilà! Non, mais là, c'est éclairé! Ah, mais honnêtement, c'est magnifique! La couleur verte flashy, elle est trop belle! Oh, il y a même du sang! Mais oui! Mais vu que c'est des Cro-Magnons, c'est forcément des genres de marabouts! C'est forcément des mecs d'un ancien temps, un peu! Donc, on va dire qu'ils sont en train de cultiver le sang des bêtes! Regardez-moi ça, j'ai quand même un gif des barrières! Et là, à l'intérieur, on va y faire nager des vaches! On va dire, c'est tellement des tarés qu'ils sont en train de faire baigner des animaux dans leur propre sang pour les bouffer plus tard! Et vous inquiétez pas, ces vaches-là vont être utiles, on va dire, pour la suite de l'épreuve! Je vais leur donner un petit nom qui va aider Shawen! Parce qu'attendez, j'ai envie de faire une genre de petite porte cachée maintenant! Et c'est pour ça qu'on va prendre un projecteur! Et regardez-moi ça, les mecs, on va faire semblant qu'il y a un genre d'arbre dans le mur! Boum boum boum! Et ces deux blocs-là, regardez-moi ce qu'on va faire! On va mettre un projecteur, on va lui équiper ce bloc-là, et là, hop là! Voilà, il est placé, et là, vous passez là, et hop, hop, magnifique! Bon, évidemment, maintenant, il faut que le projecteur soit un petit peu camouflé, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut carrément faire ça. Bon, c'est certes de la triche parce qu'il le verra pas, mais voilà, on va faire une genre de petite dune, hein. Et évidemment, cette dune-là, qui projette à cet endroit-là, sera indiquée grâce aux vaches là-bas s'y présentes. Et oui, les mecs! Donc là, il faut que je me mette ici et que je note les coordonnées. Donc actuellement, on est exactement dans ces coordonnées-ci. Donc ma petite va-vache, et hop là! Du coup, bah là, il va comprendre qu'il faut aller là, hop là! Et là, regardez-moi ça. On va y mettre une plaque, et là maintenant, il faut qu'on mette un courant redstone qui relie un endroit qui va l'ouvrir une porte. Et vu que je suis un pro redstone, bah rien à de secret pour WAM, hein. C'est ça qui est bien quand vous êtes fort en redstone, les mecs. C'est ça qui est bien quand vous avez mon niveau. Parce que regardez-moi ça, les mecs. Ici, on va évidemment mettre une barrière. Et ici, on va y mettre une vache. Et là, vous allez me dire, mais à quoi sert la vache? Et bah regardez-moi ça. Ici, il va y avoir un bloc plutôt bizarre. Et là, vous voyez, c'est exactement comme ça. Et là, si je tue la vache, boum, petit bruit de piston, les mecs. Et là, boum, vous allez avoir accès à quelque chose de grandiose, qui sera évidemment le totem. Ce qui est bien, c'est qu'il peut réussir en 5 secondes. Comme ça se trouve, il ne peut même pas réussir le bail. Et c'est ça qui est quand même sublimement magnifique. Donc là, je vais y poser mes petits bébés, parce qu'évidemment, ils sont dans leur village. Ils sont exactement chez eux. Oh là, mais regardez-moi ces gros pecs. Ils sont trop stylés, la vie d'homme. Et vu que c'est des Cro-Magnons, ils dorment tous ensemble. Ils ont le côté famille ici. Ils sont en famille. Bon, après, bon, là, on dirait un lit de 1m50 alors qu'ils font 46 mètres. Mais bref, c'est pas grave, moi, j'ai terminé. Oh, du coup, les gars, on va suivre le thème de la préhistoire. Et notre prochain mob, les gars, à créer, c'est l'Oslo. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est l'Oslo, les gars, c'est le petit chaton trop mignon. Et autant vous dire qu'à la préhistoire, après quelques petites recherches, et bah autant vous dire que l'Oslo, bah c'est quand même quelque chose. Et donc vous savez quoi les gars, bah on va le créer. Donc là les gars, la classique, on choisit l'Oslo. Bon, par contre les gars, on est d'accord pour dire que l'Oslo, bon, il dégage pas grand chose quoi. À part être mignon, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre 10 fois plus badass. Donc là les gars, on va le rendre 10 fois plus gros. Et quand je vous dis beaucoup plus gros, c'est vraiment beaucoup plus gros pour en faire un tic de l'espace. Eh non mais les gars, la tête de homme, vous voyez ça, vous savez déjà que ça va être un tic de compétition là. Ça va être un tic qui va aller à 180 km/h là. Une bagnole. En fait les gars, je pense qu'on peut littéralement s'arrêter là en fait. Mon build est déjà trop incroyable.
ensemble. Genre là les gars, je vous dis la vérité, j'ai peur pour Lined là. Oh, par contre les gars, vous doutez bien, il lui manque son crâne hein. Donc faut quand même qu'on lui fasse une tête plutôt badass. Et les gars, ce qui caractérise de plus le tigre, surtout préhistorique, c'est quoi? Eh ben c'est ses dents. Il a des dents à serrer. Donc là les gars, on va lui faire des big dents les gars. Je pense que tu l'approches, tu crèves instant hein. Bon, ça ressemble plus à un chat qu'autre chose, mais bon. Bon, je sais pas si vous vous rappelez au début de la vidéo, mais je devais modifier la vache. Et malheureusement, bah je l'ai pas fait. Donc c'est pour ça les mecs que je vais devoir un petit peu me faire pardonner. Donc moi je vous le dis, cette vache là sera un genre de mammouth, sera comme Manny dans l'âge de glace. Bon, en gros c'est lui Manny dans l'âge de glace, il est quand même plutôt badass. Donc c'est pour ça les mecs qu'on va sectionner la vache. Et là je vous le dis, ce que vous voyez actuellement sur l'écran, c'est clairement éclaté au sol comparé à ce que je vais faire. Hein. Parce que là, regardez-moi ça, on va lui faire des genres de giga panards. Évidemment, on va lui faire exactement le même panard sur la gauche. Et vu que c'est un genre de mammouth, il a forcément quatre petites papates. Bon, là on dirait un genre de sanglier, mais vous inquiétez pas, je sais exactement ce que je vais faire dans mon crâne. Parce que regardez-moi ça, maintenant on dirait un buffle. Il est passé d'un sanglier à un buffle. Et la prochaine étape, c'est clairement le mammouth. Parce que maintenant les mecs, regardez-moi ça, on va prendre la tête de la vache et on va se servir de ses petites oreilles pour lui faire une tête beaucoup plus grosse. Tout va partir de là. Regardez-moi ça, on dirait un bison futé maintenant les mecs. Bon, maintenant ce petit carré là, on va tenter de le transformer un petit peu comme une trompe. Donc on va faire comme si c'était un gros tuyau de Mario Bros. Voilà. Oh là là, oh là là, oh la Star Classma. Là, la vie de ma mère, c'est incroyable. Bon, maintenant il faut juste que j'arrive un petit peu à la pencher et à lui mettre sur son gros crâne. Et ça, je sais pas, ça sera la chose la plus facile. Il passe d'un bison futé à carrément un mammouth d'exception. Non mais là, en vrai de vrai, les mecs, c'est Manny dans l'âge de glace. C'est clairement Manny, là, je suis désolé. Là, maintenant, on va lui faire un petit peu comme ces genres de petites cornes. Bon, on va évidemment un petit peu le pencher parce que là, c'est pas trop des cornes. Mais regardez-moi cette masterclass. Regardez-moi ce bangers. Bon, évidemment, comme tous les cochons, comme tous les mammouths, il aura forcément une petite queue vers l'arrière. Et maintenant, les mecs, on va passer au maquillage du mammouth, ce qui est bien évidemment la coloration de A à Z. Donc, on va lui mettre un petit peu tout marron. On n'oublie pas de mettre ses petites cornes en blanche. Et là, maintenant, on va essayer de lui mettre des petits détails. Parce qu'oubliez pas, les mecs, c'est le détail qui fait absolument tout en modélisation. Bon, là, j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi, mais bon, voilà, on va dire que j'espère que ça sera plutôt stylé quand même. Oh là là, oh là là, on va lui faire ses nonneuils, tout ça. Non, mais là, les mecs, j'ai l'impression d'avoir fait un CAP coloriage. Je suis vraiment un goat. T'aimes-moi ça. Là, on dirait un bison, les mecs, on dirait un bison totalement. Sa petite queue, on va évidemment la colorier pour qu'elle soit beaucoup plus stylée que simplement ça. Vous savez quoi, regardez, on va dire qu'il a vécu la guerre. Hein. On va dire qu'il se l'est fait un peu découper. Là, les mecs, quand je vais le mettre in-game, je vous jure que ça va être une Star Classma. Vous savez quoi, les mecs, je vais zoomer dans 3, 2, 1. Regardez-moi ce bangers. Évidemment, moi, les gars, je suis un mec qui accorde beaucoup d'importance aux détails. Donc, les gars, on va lui faire une magnifique queue incroyable. Bon, elle est un peu grande là, quand même. Là c'est une sacrée queue, les gars. Attention au jeu de mots. Maintenant, les gars, place à la couleur. Et bien évidemment, les gars, on va lui faire un pelage, mais un pelage digne d'un lion qui va vous bouffer. Et là, honnêtement, les gars, je pense que ce build, il est quand même plus compliqué. Je trouve que c'est un peu moins une masterclass que les autres. Déjà parce qu'il est plus dur. Du coup, les gars, notre objectif, c'est vraiment de faire des belles couleurs, quoi. On va essayer de lui faire des petites taches blanches, un truc plutôt mignon. Donc, les gars, on va faire les petits détails, voilà. Jusqu'au trou de balle, les gars, le détail. Non, mais c'est incroyable. Non, franchement, là, Lined, les gars, il est au fond de son cercueil. Bon, on sait pas si c'est un lapin, un chien ou un tigre, mais c'est beau. Franchement, c'est beau. Je rajoute des petites taches un peu partout. Non, c'est magnifique. Maintenant, les gars, place au build. Du coup, les gars, pour notre dernier build, on va créer un truc savane. Donc, pour ça, faudrait quand même qu'il y ait une petite ambiance, voilà, un peu plus comme ça. Donc, les gars, on va nous faire une petite zone un peu comme ça. Et les gars, notre objectif, bah, c'est de faire la savane. Parce que là, les gars, on parle quand même d'un tigre. Donc, voilà, les gars, comme ça, c'est un peu mieux. On va bien évidemment, les gars, rajouter toujours un peu de relief, c'est important. Voilà, comme ça, les gars, on rajoute des petites collines. Et les gars, on va rajouter des petites herbes un peu cheloues. Et voilà, les gars, comme ceci. On va rajouter des petites herbes du désert un peu partout. On va bien évidemment, les gars, y mettre un petit arbre dans les cocotiers. Et les gars, le final, le truc que vous attendez tous, le mob. Ouais, il est magnifique, il est magnifique. On va en foutre un peu partout, voilà, c'est ça qui est beau. Et là, les gars, on est d'accord que les oslos, c'est ce qu'il y a de plus dur à choper en vrai de vrai. Et bah là, Lined, ce qu'il va devoir faire, ça va être très très simple. Ça va être d'apprivoiser un oslo. Donc on va y mettre un petit cadre avec une canne à pêche. Oh, vous savez quoi, on va carrément le mettre un peu plus haut quand même. Hein. Voilà, les gars, on va mettre ça juste ici. Et son objectif, bah, ça va être d'apprivoiser au moins un petit tigre. Et pour ça, bah, va falloir qu'il trouve absolument tous les items et tous les indices. Que bah, je pense que les gars, on a terminé. Hein. Bon, maintenant pour la mini Shawen, on va passer à ma plus grande réussite, mon petit bébé. Et bien évidemment, boum! Oh là 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 là, non, le poulet! Oh le poulet! Non mais regarde, non mais, oh mon dieu! On dirait Manny dans l'âge de glace. Enfin, je crois que c'est Manny, oui, je crois. Oh, il est beau. Franchement, après, on dirait un facochère, je suis désolé, mais bon, c'est une réussite totale. Et vu qu'on a des biomes et des biomes et des biomes, bon, désolé de gueuler comme as, on va évidemment faire un biome un peu enneigé, les mecs. Donc, vous savez quoi? Ça va être simple, je vais tenter de trouver un genre de biome un petit peu glacial. Bon, bah, je pense que j'ai trouvé entre guillemets ce que je voulais. Bon, c'est pas le plus stylé, mais on va dire que why not, hein. Bon, là, je vais devoir être à mon prime, les mecs, hein. Je vais enlever toute l'eau, les mecs, hop là, voilà, plus d'eau, nickel. Et là, on va mettre un mur comme ça. Et en plus, regardez-moi ça, les mecs, c'est limite terraformé. Bon, si vous êtes à ce moment de la vidéo, vous mettez à Rip Gilbert en commentaire, voilà. Bon, Gilbert, oui, bon, il est mort. Mais tant mieux, les mecs, s'il est mort, c'est pas pour rien. Parce que ici, les mecs, on lutte contre la surpopulation et il fallait malheureusement qu'il meure. C'est super triste de le dire, mais c'est. Il a aidé la planète. C'est un écolo. On va un petit peu
changer la propriété des blocs en dessous. Oh là, j'ai envie de prendre des blocs bleus et tout, les mecs. Mais non, on va quand même mettre ce bloc là. Boum. Oh là là, c'est beau. Et là, à certains endroits, on va y mettre un petit peu de la terre, un petit peu space. Parce que moi, les mecs, j'ai envie d'y planter des bois magiques. Ah, je peux pas le planter sur ça. Est-ce que si je fais tac et tac, ok. Bon, je ne sais pas du tout comment vont être les arbres magiques. Hein. C'est pour ça qu'on va voir ça dans quelques secondes, les mecs. Oh là là, oh la Star Classma. Mais le bleu avec le blanc, c'est vraiment une couleur banger. La couleur va trop bien avec. Mais osez me dire que ces arbres-là ne font pas tout. Rien que ça, ça pourrait être ma décoration de base. Voilà, magnifique. Et regardez-moi à quel point mes mammouths, ils s'y plaisent. Oh là 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 là, ils sont trop heureux. Ça se voit qu'ils sont en train de kiffer leur vie. On va penser à mes reilles. On va y mettre de l'eau. Oh, t'es ma wesh. Et carrément des œufs d'araignée. Oh, ils font trop peur. Bon, si malheureusement, il y a des araignées tarlés fous qui arrivent et qui tuent mes pauvres petits mammouths. Ah, bon, j'avais peut-être pas pensé trop à ça, moi. Hein. Mais bon, chaque problème, sa solution. Magnifique. Et au pire, les mecs, attendez, est-ce que je me foutrais pas de la lugue de Chawen? J'ai envie de faire un truc tellement absurde. En mode, regardez-moi ça, mettre des genres de trappes comme ça. Et tellement que j'en mets partout, qu'ils pensent que c'est une décoration. Et carrément, pour se barrer, c'est ici, les mecs. Bon, bah alors là, les mecs, si ça passe, je pense que Chawen mérite de se faire insulter en ligne, là. Voilà, c'est dit maintenant. Wesh! Ah bah non, tu dégages! Du coup, ciao! Bon, bah voilà, mon épreuve est terminée. C'est la plus nulle des épreuves. Mais les mecs, j'ai tellement fait un mammouth incroyable qu'au bout d'un moment, je suis censé gagner. Dieu est avec moi, j'en suis sûr et certain, les mecs. Donc, c'est pour ça que je me dois de gagner, en fait, cette épreuve. C'est obligatoire. Bon, du coup, là, les mecs, on est actuellement dans l'endroit de Chawen. Est-ce que t'as des petites indications ou t'as envie de montrer quelque chose avant que ça commence? Ah, mais frérot, je te dis, toutes les indications sont dites dans les panneaux. Voilà. Ok, du coup, le chrono vient d'être lancé. En fait, je sens que ton épreuve est tellement nulle que je peux carrément te regarder dans les yeux. Non, mais je te le dis. Ah ouais? Bah, tu penses? Bah, déjà, regarde mon magnifique Cro-Magnon. Est-ce qu'il est pas beau? Mais pourquoi il est venu à WAM? Wesh! Bah, parce que, frère, c'est un PNJ, frère. Il est intelligent. J'ai rajouté des commandes. Mais pourquoi? Attends, pourquoi il est bossu? De deux, pourquoi on dirait un soldat soviétique? Bah, c'est pas un soldat soviétique. Enfin, je suis désolé, c'est un Cro-Magnon, hein, merde. Mais il est trop stylé. Attends, non. Maison aidée. Quoi? C'est pas un village. Ah bah, c'est un Cro-Magnon, frérot. Bah, attends. Maison aidée, Cro-Magnon, village. Des blades, wesh. Tu vas pas le buter quand même. Non mais je suis obligé, frérot, je dois me défendre. Désolé, par pitié, je suis désolé. Pour l'amour des Cro-Magnons. Bon, j'espère au moins que tu vas pouvoir trouver son cadeau, quoi. Comment ça, en bas? En bas, là. Comment ça? Ah, attends. Pas en bas comme ça, frérot. Pas en bas comme ça. Attends, il y a peut-être des trucs comme ça. Comment ça, en bas? En bas. Attends. Regarde, en bas. Oh, il parle comme les Cro-Magnons. Bah oui. Comment ça, en bas? Voilà, peut-être t'es intelligent. T'es intelligent. Ah bah, t'es intelligent, mais bon, il s'agirait d'activer son cerveau, quoi. J'aimerais activer mon cerveau, mais. Ah non, mais bon, là, si tu trouverais ici, c'est vraiment que t'es débile, quoi. Je suis désolé de te le dire. Mais je dois mettre en double F5 et regarder. Bah oui, mais c'est peut-être un objectif, oui, effectivement. Mais après, est-ce que c'est ici que tu dois le faire? Je sais pas. Bah, tu m'as dit en bas. Donc, soit je dois y aller en bas. Après, bon, te connaissant, t'as forcément dû mettre un nombre un peu idiot comme 1, 2, 3, 4. Eh non, frérot, c'est plus dur que ça, frérot. C'est quoi? Bah, non, bah, je te déconseille, franchement. Bah oui, bah, je pense aussi. Hein. Oui, non, frérot, là, t'as trouvé un glitch, mais c'est peut-être pas le bon, quoi. Bon, en tout cas, là, actuellement, je viens de regarder là où tu dois aller. Mais bon, voilà, je vais pas aller plus loin, quoi. Attends, là? Attends. Sale chien de la casse qui a aucune classe. Là, t'es Ah bah si frérot, ah bah si. PFD. Mais va te faire voir. Bah c'est un Cro-Magnon qui a fait les panneaux, donc je suis désolé de te le dire frérot, mais bon c'est pas du français. Mais hein. Attends, mais c'est super compliqué à lire. C'est compliqué à lire, sauf si t'as Optifine. Bah mais avec Optifine en fait c'est pas possible à lire. Attends, c'est 1, 3, 4. Je te dis rien frérot, je ne te dis rien. Nous à l'âme et Sayam, mais bon. Ah bah je te conseille d'aller Sayam. 1, 3, 4, boum. Voilà. Et t'as eu du fer. Parce que bah il a besoin de fer le Cro-Magnon. J'ai mis quand même 2 minutes 30. C'est quand même beaucoup hein, pour une épreuve aussi nulle, bon. Mais ce qui est frérot, c'est que c'est énorme. Ah bah c'est énorme, oui. Donc je vais gagner. Bon, maintenant les mecs, on va lui réserver le feu d'artifice. Bon, t'es actuellement chez moi, le chrono est lancé, tu te débrouilles. Oh lolo, mais attends, mais c'est quoi ces dinosaures de fou? Est-ce qu'ils attaquent? Bah tu vas les respecter. Bah non mais ils attaquent pas. Bah voilà, bah bravo. Ah bah si ils attaquent. Non mais attends, mais comment on fait pour bouger de là? Comment on fait pour partir là? Mais tu dois réfléchir, tu sais quoi, je vais tellement être un mec gentil que je vais te donner des pommes d'or. Mais comment ça des pommes d'or? Je suis quoi moi? Bah attends, mais je me fais attaquer frérot, je me fais attaquer. Bah, tu m'énerves. Non mais tu m'énerves. La prochaine fois que tu retapes mes chiens, parce que oui, à la base c'est des chiens quand même. Quoi? Attends, tu j'aime dire que là on est passé de chiens. Non mais c'est masterclass frérot là. Là ce que t'as fait c'est incroyable. Par contre c'est sûr que c'est des trucs à ouvrir comme ça, genre des espèces de plaques bizarres à ouvrir. Ah attends. Non, c'est la décoration ça. Oui, la décoration c'est ça, oui. Tu crois que je vais y croire à ce mensonge? Attends mais rien du tout là. Attends, peut-être que si on rentre dans la grotte. Bah oui, mais non, intéressant. Mais c'est un panier. Mais... Bah oui, c'est des chiens, c'est un panier. Oui, bah c'est un panier. Bah écoute, je sais pas, moi je vais grimper aux arbres tel des singes. Je sais pas si c'est l'objectif, mais bon. Panier peut potentiellement être utile, mais il y a des choses qui sont toutes aussi utiles que je regarde maintenant, quoi. Ah là, Oh, mais oui, mais ça, j'avais pas vu ça. Et voilà, les mecs, comment lui faire perdre du temps? Vous vous souvenez très bien pourquoi j'ai fait ça, les mecs magnifiques. Frérot, oublie pas le temps que t'as mis, ok? Attends, mais une fois qu'on est ici, on est censé faire quoi? Oh, 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 oh,
Oh, oh là 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 là. Est-ce que je verrai pas ce que je suis en train de voir? Attention, attention, hop. Après, bon, c'est un under chest. Et l'under chest, bah voilà, il sert à rien, quoi. On n'a pas le droit de casser les blocs, j'imagine. Bah, j'ai cassé l'under chest parce qu'il ne sert à rien. Ah, mais attends, mais il sert à rien. Mais du coup, je fais que c'est censé redescendre en bas, quoi, voilà. Quoi? Non, mais arrête, non, mais me dis pas que tu triches. Un conseil, le panier, va coucher panier, voilà. Ça, va coucher panier, tu crois que je suis ton frère ou quoi? Mais y'a rien du tout, y'a même pas de passage secret, y'a rien du tout. Et après, tu te moques de moi, frérot. Alors, en fait, tu veux juste que je perde, quoi, c'est pas possible. Bah, c'est un peu le but, oui. Oui, bah, va te faire voir. Un conseil, tu fais comme ta maman. Ta maman, elle adore les barres de pole dance, elle adore twerker partout. Et bah, tu fais pareil sur le panier, quoi. Je n'accepte pas. Ah oui, je mais n'accepte pas ça. Bah, vas-y, bah, attends, mais hop non, là. Non, mais c'est pas twerker ça. Twerker, c'est sauter partout, c'est gambader, c'est. Attends, ah. Mais. Ah, y'a rien du tout, frérot. Tu après, te moques de moi. Je te dis panier, tu sautes sur les bords. Oh, vas-y, réussir en temps et en heure. Oui. Vas-y, réussir oui en temps et en heure, les mecs. Non, mais c'est quoi ces trucs de fraude là? Ah bah, il faut tout enlever, je suis désolé. Hein. Non, mais y'en a combien, frère? C'est quoi ces trucs de. C'est vraiment pour gagner du temps, en fait. T'es vraiment un tricheur qui veut gagner du temps. Je vais te faire ça pour un peu t'aider, t'aiguiller. Ouais, non, mais oh, le tricheur, je l'ai. 3 minutes 40, frérot. Non, 2 minutes 40, il sait même pas lire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai gagné. T'es vraiment un chien, frérot. Oh, voilà, frérot, j'espère que t'es prêt, hein. Bah, malheureusement, le croc s'est lancé, mais. Ouais. Bah, oui, frérot. Mais attends, mais c'est quel mob? Ah bah, frérot, ça s'appelle un poulet, frérot. C'est un poulet préhistorique. Ouais, pourquoi ils attaquent tous les mobs, la vie de ma mère? Ah bah, frère, c'est la préhistoire, hein. Tu crois que c'est. C'est vrai? Tu crois que c'est comme ça que ça vit? Bah, attends, je vais prendre une épée, mais, voilà. Hein, je vais t'aider. Oh. Après, non, en vrai, c'est quoi? Je vais pas t'aider, franchement. Bah, je vais t'attaquer sans problème. Je vais tabasser un poulet, bah, ouais, bah, voilà. Et bah, perds ton temps, ça me rend heureux. Perds ton temps, frérot. Voilà, je tabasse des poulets, j'en ai rien à secouer, moi. Bon, après, ce qui est chiant, attends. S'il y a un genre de coffre à code, c'est que forcément, il y a un code qui est trouvable. Ah bah, évidemment. C'est un poulet mystique, frérot. Après, est-ce que le poulet mystique, tu vas le trouver? C'est la question. Est-ce que tu vas trouver ce poulet de la muerte? En fait, ce qui est chiant, c'est toutes les herbes, là. Les herbes, elles sont chiantes. Ah bah, oui. En fait, je pense qu'il faut vraiment que tu les enlèves toutes. Tiens. Il y aurait pas, entre guillemets, un making of des coulisses, là? Ah, hop là, t'as rien vu du tout, frérot. Non, pardon, non, mais pardon. Non, il est insupportable. Les poulets oh, sont insupportables. Let's go. Attaquez-les tous, les frérots. Mais il va en fait, j'avais vu des. Et ce chien de la casse qui a aucune classe déblaye. En fait, les poulets normaux, ils attaquent pas, mais celui-là, il attaque. Voilà. Ne t'en déplaise. Mais parce que c'est la préhistoire. En fait, ce que j'aime bien, c'est que là, tu perds beaucoup de temps. Et ça me rend heureux. Mais non, ça me fait, rend. S'ils ont un nom, pour voir le nom, je dois enlever les mauvaises herbes. Ah bah, évidemment, ça aide. Oh, t'abuses, wesh. Quoi? Wesh, t'es mal, Blast du Boug. C'est un Congolais, Jean-E, des clitoriens, il s'appelle. Ah bah non, il s'appelle 987-65, mais je pense que ça a pas de rapport avec ce coffre. Hein. Je pense que c'est un rapport avec autre chose. Ah, mais c'est un truc à l'envers. Mais je me suis dit, pourquoi t'aurais mis un truc aussi farfelu? Oh, c'est tellement nul. J'ai vu 1 minute 45, c'est tellement nul. Bah écoute, franchement, est-ce que c'est plus nul que ce que t'as fait, eux? Mais les mecs, quoi, il va voir ce que j'ai fait. Dans 3 secondes, il va être choc bas. Allez, c'est parti. T'es bien vu chez moi. Non, mais là, hé, mon gars, on est chez les Cro-Magnons. Donc là, un conseil, tu sors, tu fais pas le malin. Mais qu'est-ce que tu me dis? Dors déjà, dors. Tu vas faire, toi. Un conseil, dors. Vas-y, je vais dormir, y'a pas de soucis. Mais en tout cas, c'est un très beau, c'est une très belle maison. C'est très charmant. Et bah oui, parce que regarde, comparé à toi, moi je me suis dit que les Cro-Magnons, ils font quoi? Ils vont chasser du cuir. Hein. Ouais, non. Donc du coup, peut-être que le cuir va être utile pour nous en fait. Bah oui, j'ai que ça à faire. Et regarde-moi ça. Non, mais au bout d'un moment, il y a un double menton, double mâchoire. Ah ouais, non, mais il est stylé. Non, il est stylé. Après, ce qui est bien, c'est que les golems, ils font rien du tout. Donc honnêtement, si on les attaque pas, bah il va rien se passer. Donc franchement, je suis heureux, quoi. Et au bout d'un moment, la Ned, si tu penses une seule seconde que j'ai peur de ce petit golem, j'en ai rien à faire, frérot. Il va rien faire du tout, hop. Tu parles trop. Ne frappe pas. Regarde-moi ça. Ils font mijoter du truc dans du sang, t'as vu? Bah c'est oui, pas intelligent, coup, ça. Et donc du coup, je vais certainement trouver quelque chose à l'intérieur. T'inquiète pas, que je vais trouver en fait. Je bah sais oui, où tu caches tes bah trucs. Oui. Je le sais, je le sais. Parce que là, je t'ai aidé à te sortir parce qu'il fallait pas rester là. Là, il est en train de faire mijoter comme un bon petit bouillon, un bon petit beurre bourguignon. Oh, le chien, il a fait la même chose. Il a fait la même chose que moi. Il m'a copié. Moins 122, 61. Oh non, mais tu crois vraiment que je vais me rappeler de ça, s'il te plaît? Tu appuies sur F3 et tu te balades. Ok, donc moins 122. D'accord. 61. Bon, bah, les mecs, c'est encore une victoire écrasante, hein. Non, mais va te faire voir, moi, si je pouvais faire des trucs aussi chiants que tu. Ah, ce bloc-là est utile, mais réfléchis. Comment ça? Oh. C'est quoi ça? Oh, le chien de la casse. Oh, bah. Attends. Sois gentil avec Marguerite. Bah, Marguerite, on est quoi? Des grands père nous pour le Magic Nup, attends mais. Sois gentil avec Marguerite. Oh, hein? Sois gentil avec Marguerite. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. Ah bah absolument rien. Hein. Bah, rien du tout. Rien. Attends du quoi tout. Non. Oh, le chat de la casse. Et oh, j'ai le totem.
Non mais t'es vraiment un tricheur, la tête d'homme, t'es un gros tricheur. Bon, les mecs, on va évidemment passer au dernier mob. Et je vais encore gagner ça qui est magnifique. Ok, donc c'est dans... Wesh. Ah bah oui. Eh, devine c'est quel mob. Un chat. Ah bah oui frérot, c'est des chats préhistoriques. C'était comme ça qu'ils étaient avant les petits minous. Bon, on dirait plutôt un... C'est vraiment un chat. Bah non, c'est pas un chat, je suis désolé. Bon, en tout cas, Lined, essaye de t'en sortir. Moi je te dis, ça va être compliqué. Apprivoise-en un. Attends, c'est comme les... Quoi? Bah attends, mais il me faut des frérot. Os. Il me faut des os, ça veut dire. Pourquoi des os? Bah pour apprivoiser des... Bah... Ah non, c'est pas des chiens. Bah non, c'est pas des chiens, toi, t'es complètement barjou. T'es pas suffisamment doué pour faire un système qui va fonctionner avec un apprivoisement et un truc comme ça. Bah frérot, au bout d'un moment, bon. Ah, ils s'attaquent tous. Quoi? Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais arrête de faire ça, non, mais Lined. J'ai envie de tenter de le pousser. Non, mais y a aucun intérêt à faire ça, Lined. Quel intérêt? Ah, mais non. Je vais te TP parce que t'es un incapable. Mais non, mais je me débrouille tout seul. Non, mais non, mais non, mais c'est bon. Sinon, tu vas juste perdre du temps bêtement. Attends, voilà. Y a forcément des choses dans l'arbre. Enfin, ça a l'air d'être un arbre plutôt boulot, quoi. Il mange quoi, les chats? Il mange quoi, les chats, s'il te plaît? Bah, il est en train de me bouffer, là. Bah, oui, bon, c'est vrai qu'il te mange aussi, mais bon. Avec ses gros chicots, là. Bon, dis-moi, Lined, il bouffe quoi, les chats? Bah, des croquettes. Non, mais sérieusement, un animal dans Minecraft pour les apprivoiser. Mais je suis pas le Wiki. T'as vu de l'eau? T'as vu de l'eau? Tu as vu de l'eau? Et alors, j'ai l'air d'avoir un seau d'eau? Non mais les gars, non, il fait l'idiot, la tête de homme. Tu sais quoi, je t'aide pas. C'est quoi les gars, on va laisser avancer le temps. J'ai vu de l'eau. Bah pourquoi il y a des poissons maintenant? Non mais sale chien. Arrête, un tricheur. Mais quoi? Il y avait pas de poissons avant. Mais non, j'ai mis des poissons pour t'aider Lined parce que de base normalement, il est censé y avoir des poissons de base. J'espère vraiment qu'il va pas l'accepter ton poisson. Hein. Bah ça marche pas surtout. C'est moi qui ai l'air de vouloir le bouffer, c'est moi le chat. Bah non. Non mais me dis pas que c'est ton épreuve est nulle de A jusqu'à B jusqu'à Z, là je peux même pas. Non. Un chat ça bouffe ça. Mais c'est pas un chat, c'est un tigre. Mais c'est censé être un chat. Allez, tu sais quoi, tu me saoules. Montre-moi la révélation de l'épreuve parce que là c'est un... Allez hop, c'est bon. Ok, bon, écoute, tu fais quoi? Tu vas ici. Ici y a quoi? Y a une canne à pêche. Oui, et ça m'aurait servi à quoi vu qu'il refuse? Et donc la canne à pêche, tu pêches tel un pêcheur, ça me paraît logique. Et ensuite tu vas voir les chats et tu fais quoi? Bah tu le bouffes parce qu'ils le veulent pas. Mais okay. Comment est-ce que ça marche pas? Oui mais ça m'a servi à quoi d'avoir un chat? Bah t'apprivoises un tigre, c'est pas stylé. C'était ça l'épreuve. Bon va te faire voir Lined, hein. Tu sais quoi? Bon t'as fait 4 minutes voilà parce que t'as été une catastrophe. Je te rajoute 10 minutes tellement t'es nul, voilà c'est bon, tu m'as saoulé. Bon les mecs, ça va pas se passer comme ça parce que là on passe à Mani. Et bah je te présente Mani. Voilà, on est dans l'âge de glace, c'est Mani. Débrouille toi. Mais attends, parce que non, là c'est trop stylé. S'en fout. Ah bon, non, ok, oui. D'accord, bon. Wesh, non mais attends, mais non mais la vie navère il est trop. Non mais c'est quoi tes mobs de chair de la casse Lined? C'est quoi tes mobs incroyables? Ça s'appelle un facochère X mammouth. Ok, du coup c'était quoi comme mode à la base? Attends. Bah mais arrête. Oh mais oui, oh 100%. Bah, arrête. Let's go les gars. 20 secondes. En 20 secondes j'ai trouvé ton Mani. Déjà il était magnifique, mais je suis désolé. Là ton épreuve était vraiment magique. Non. Les mecs, tous ceux qui sont là maintenant, vous allez lever vos mains en l'air et on va faire un truc très simple. Regardez actuellement le mob que j'ai fait à la fin. Regardez-moi ce design, on dirait une Ferrari. Et regardez-moi maintenant le mob de Shawen. Donc vous savez quoi, en commentaire vous allez voter pour le meilleur mob et ça va déterminer le gagnant de la vidéo de A à Z. Donc soit mon Mani, allez donne-lui un nom. Soit mon Gâteau. Donc les mecs, c'est comme The Voice ici, vous votez soit pour Mani, soit pour Gâteau. Ciao les mecs.